الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزي التلميذات، أيها المستفيدون من هذه الدروس، فضلا منكم وليس أمرا، المرجو منكم المشاركة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات باللايكات ديالكم وعبر لي كومونتير، وشكرا شكرا مسبقا لكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à Téléphone de Machine, j'espère que vous allez toujours très 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 bien comme d'habitude. Je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la première année cycle collégial. Et l'objectif de notre leçon, c'est de vous présenter des exercices d'application sur la leçon précédente, l'identification des adjectifs possessifs et démonstratif. Bon, soyez attentifs. Cours première année cycle collégial, les adjectifs possessifs et démonstratifs, page 97, manuel de l'élève, l'heure du français, exercice d'application. Premièrement, je m'entraîne à cet élève. Dans les phrases suivantes, remplace les articles définis, adawat al-ma'rifa, et indéfinis, adawat al-nakira, par les adjectifs possessifs qui conviennent. Le livre est intéressant. Alors ici, nous avons un article défini. Alors on peut dire son livre est intéressant. Donc on a remplacé l'article défini par l'adjectif possessif son. La maison est petite mais agréable. La maison. On va remplacer la par un adjectif possessif et on va dire sa maison est petite mais agréable. On va remplacer la par ça, on remplace le par ça. Voilà, je termine sur le tableau. Alors je termine l'explication. Alors j'ai dit la maison est petite mais agréable. Alors sa maison est petite mais agréable. Les gâteaux sont délicieux. Alors nous avons les, c'est un article défini. On va remplacer cet article par un adjectif possessif au pluriel. Les au pluriel. Donc on va dire ces gâteaux sont délicieux. Des enfants jouent à cache-cache. Nous avons des, c'est un article indéfini au pluriel. On va dire ces enfants jouent à cache-cache. Donc voilà. Le premier exercice, nous remplacer les articles définis et indéfinis par un adjectif possessif. Possessif singulier ou bien plus pluriel. Deuxièmement, remplace les pointillés par l'adjectif possessif qui convient. Par l'adjectif possessif qui convient. Alors, amis, nous avons l'adjectif possessif, amis au pluriel. Alors, on va dire ces amis ne sont pas marocains, elles sont tunisiennes. J'ai fait leur connaissance dans une fête. Donc on a ami, c'est un nom pluriel, masculin pluriel. Alors le pluriel d'un adjectif possessif, c'est c'est. Hein? C'est un adjectif possessif féminin et masculin pluriel. Ça veut dire qu'on peut le mettre à la fois à tous les deux. Sans, alors nous avons ici camarade. Alors nous avons camarade, donc nous avons des points ici. Alors camarade, un camarade, je mets son camarade, Rachid et son ami. Et son ami, hein, même si c'est au féminin, on ne peut pas écrire ça. Son ami Leïla, non, m'ont rendu visite hier soir. Et m'ont dit que la veille, ses parents étaient malades et qu'ils étaient restés hein, à leur chevet. À leur chevet. Hein, à leur chevet. Voilà l'adjectif possessif qui convient à la place des points. Alors, on écrit l'adjectif devant le nom. Avant d'écrire l'adjectif possessif, on cherche le nom. Est-ce qu'il est au féminin? Est-ce qu'il est masculin? Est-ce qu'il est singulier? Est-ce qu'il est pluriel? Troisièmement, complète les phrases ci-dessous par l'adjectif démonstratif. Alors, la première, le deuxième exercice, on a remplacé les points par l'adjectif possessif. Bon, un des points, ça veut dire qu'il convient. Et le alors, adjectif démonstratif, ça veut dire que c'est un nom. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Cette
émeute. Pourquoi? Parce qu'il commence par une voix, une voyelle. Au lieu de dire ce émeute, on a remplacé ce par cette. On a remplacé ce, hein, ce par cette. Pourquoi? Parce qu'il y a une voix, une voyelle. Alors, deux voix, une voyelle, on remplace ce par cette. Cet immeuble est le plus haut du quartier. Regarde. Garnement. C'est garnement. Hein? Regarde, ces garnements, ils passent leur temps à errer dans les rues. Les garnements, on a au vrai. La ouad, la dîner, on a au ksaon, et c'est jouwalun, et c'est jouwalun, et c'est à errer. Ça veut dire, et c'est jouwalun. À errer dans les rues, c'est jouwalun. De leur quartier. De leur quartier, pourquoi on a écrit le? Parce qu'il y a un quartier qui appartient à plusieurs garnements. Il appartient à plusieurs garnements. Il y a plusieurs possesseurs et un seul objet, c'est le quartier. Un seul objet, c'est le quartier. Bien. Bien, je termine l'explication. Remplacer les pointillés par l'adjectif de mot passif. Apprenez cette leçon. Alors ici, nous avons le féminin. Apprenez cette leçon. Il est possible qu'il fasse l'objet de la prochaine évaluation. Alors, ça veut dire que le professeur donne aux élèves, il demande aux élèves d'apprendre cette leçon. Pourquoi? Parce qu'il peut être posé dans l'évaluation prochaine. Alors, grand 2, je développe. Je développe, voilà. On a mis le maillot. Les filles de texte ont remplacé en Nadia. Alors, ici, il s'agit de remplacer Nadia par Nadia et Ali. Et la bibliothèque par le centre culturel effectue les changements nécessaires, en particulier l'adjectif positif et démonstratif. La bibliothèque de place le centre culturel, ça veut dire masculin singulier. En plus, on doit faire attention aux changements. Ça veut dire que l'adjectif s'accorde avec le nom, etc. Bon, alors voilà le texte. Nadia est très studieuse. Il passe son temps entre l'université et la bibliothèque municipale. Voilà la première partie. Je termine l'explication sur l'autre tableau. Alors, le diable est studieux, ça veut dire Mouadiba. C'est mis la Mouadiba. Il passe son temps à l'université, le Jamia, et la bibliothèque municipale. Il y a la Khizana, le Belgique. Voilà. L'autre, il y a la fichette de l'autre. Bon, je termine. L'explication sur le tableau. Alors, cette bibliothèque se trouve près de son domicile. Cette jeune étudiante est très estimée par ses camarades. Alors, les mots qui sont soulignés, on va les remplacer. On va les remplacer. Alors, nous avons. On va remplacer Nadia par Nadia et Ali. Alors, Nadia et Ali, donc le pluriel sont. Restudieux. Alors, ici, c'est le masculin pluriel. À la place de studieuse, on dit studieux, de manière mouadili. Il passe, alors qui est-ce qu'il? C'est Nadia et Ali, donc c'est le pluriel. Il passe leur temps entre l'université et le centre culturel. On a remplacé la bibliothèque par le centre culturel. Ce centre culturel, alors ce centre culturel se trouve près de leur domicile. Il se trouve près de leur domicile. Alors, au lieu de dire. Il se trouve près de son domicile, ça veut dire Nadia. Maintenant, il y en a deux, alors on dit leur domicile. Ces jeunes, alors Nadia et Ali, ce sont des jeunes. Ces jeunes étudiants, avec S, sont le pluriel, très estimés avec O accent S, c'est le pluriel, par leurs camarades. Il y en a beaucoup de camarades pour Ali, les camarades de Ali et de Ali. Donc voilà. Le texte, on a remplacé Nadia par Nadia et Ali, on a remplacé la bibliothèque par le centre culturel, et on a effectué les changements qui sont en relation, qui peuvent être faits avec les mots employés comme le nom ou bien les adjectifs, etc. Bien, je termine l'explication. Alors, la question numéro 2, recopie et remplace les pointillés. Recopie et remplace les pointillés par C, adjectif pointillé pluriel, ou bien C, adjectif démonstratif. Bien. Alors, j'aide savon. Alors, c'est savon. C'est, alors, je montre avec le doigt, ce sont des savons, des experts, qui étudient les volcans. J'aide, de manière au CRIDO.
هاد اللي ساقوا هاد الخبراء au bout de au bout du gouffre le mineur protège ses yeux protège ses yeux hein il protège ses yeux يعني عينين alors ces vitamines de l'adjectif démonstratif ces vitamines sont des vitamines spéciaux ce sont des vitamines spéciaux et il faut se méfier de ces garçons alors je monte un peu plus il faut se méfier de ces garçons surtout les plus grands surtout les plus grands bon, maintenant خذ الحذر ديال بنات الاطفال والاخص الكبير منهم لو رياكسيون لو رياكسيون ils ont beaucoup de réactions sont imprévisibles معناها غير متوقع متوقع الرياكسيون داك رد الفعل ديالهم سيكون غير متوقع بمعنى يقدر يفاجئ remplacer pointillé par ce ou bien ce alors ici nous avons le pronom ce devant un verbe pronominal et ce adjectif démonstratif alors les filles nous avons sont alors ce sont c'est un verbe se sont baignés les filles se sont baignées dans la rivière se sont baignées je me suis baigné hein je me suis baigné regardez ce grand bâtiment je montre avec le doigt c'est un adjectif démonstratif les garçons se c'est un verbe pronominal se sont sauvés c'est le verbe se sauver hein et ça c'est le verbe se baigner hein c'est un verbe pronominal les sports se reposent après alors se repose c'est le verbe se reposer après ce long voyage les sports hein les sports se reposent après ce long voyage hein et voilà c'est يستريحون من بعد هذا السفر الطويل bien les sportifs je parle les sportifs se reposent hein. Ce sont des personnes hein. Les sportifs ou bien les sportives se reposent après ce long voyage donc voilà les exercices concernant la consolidation des adjectifs possessifs et démonstratifs ça peut être adawat al-mulk ou adawat al-ma'rif bon courage bonne réussite et à la prochaine vidéo au revoir